Eh bien, salut à toutes et tous les amis, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Uncharted 4. Donc, nous allons piller la tombe de Lenny Avery. Henry, pardon, Avery. Je sais pas pourquoi j'ai dit Lenny. Ben, pas vraiment. À l'époque où Avery a navigué jusqu'ici, l'endroit était déjà abandonné. Ouais, par contre, j'entends pas du tout les dialogues. Volume, dialogue, bah si c'est en fond pourtant. Wow. Possible. En plus avec l'énorme prime sur sa tête, si vous êtes bonne plante. Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et moi? Je pouvais vraiment plus le saquer. Et je suis presque sûr que lui non plus. J'étais en train de digérer ta mort, et avec toute sa frustration de ne pas trouver le trésor, je suis à peu près sûr qu'il était prêt à me tuer au moment où je suis parti. Faire éviter. Voilà. Sam, écoute, il est impitoyable. Encore plus que quand on faisait équipe avec lui. Ok, donc on est armé. Et non. Ça devrait. Ok, donc on descend tranquille. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Matériel d'excavation. Shoreline? Quoi? Regarde. Je croyais qu'il cherchait près de la cathédrale. Wow, moi c'est une balle. Toi tu fais pas le malin. Toi tu meurs. Pourquoi je bouge les joysticks à chaque fois? Ok, c'est bon. Ouais. Moi aussi j'étais ravi de vous rencontrer. On dirait qu'il nous attendait. On dirait qu'il cherche à l'extérieur de la cathédrale. Ce qui veut dire qu'on doit aller au cimetière et en vitesse. Exactement. La vie des moines était partagée entre plusieurs bâtiments, le principal étant à côté du cimetière. Plutôt sympa, là, du coup. Encore des équipements de charge. Y'a du bol, y'a pas de gars de shoreline. Cool de dynamite. Qu'est-ce que tu paries? Oui, de la dynamite. Eh, hey, tu fais gaffe avec ça. Non, R. De partout, alors ça passera peut-être inaperçu. Regarde, on pourrait passer par le toit. C'est beaucoup trop haut pour nous. On trouve un truc sur lequel grimper. Quoi, ouais. On n'a pas précisé qu'il fallait pas être bruyant pour ouvrir une porte. Regarde, on pourrait utiliser ça pour grimper et sortir. Ça fait bizarre de retourner sur Uncharted 4 après l'avoir déjà fait.
Bon, en même temps, c'est un jeu, on va s'amuser. Hop, il se prend une tête. Ah ouais, j'ai fait trop le fou là. Je pensais que je pouvais y arriver, mais non. What? Ah d'accord. Ouais, mais il peut pas me défendre aussi un petit peu, Sam, là, parce que voilà quoi. Et je sais qu'il faut que je reste à couvert pour récupérer de la santé. Ta petite tête, voilà. Mais what? J'ai pas tout compris là. Non. Mets-toi à couvert. Mais ouais, mais mets-toi à couvert aussi. Je sais pas, j'appuie sur rond, faut se mettre à couvert au bout d'un moment. Allez, viens. Moi, voilà. Par contre, ça m'aide moi aussi parce que voilà quoi, il y a toute une armée, je peux pas tout faire tout seul non plus.
Il y a un repère. Monte ta tête, ose. Toi déjà tu es mort. Oh bah il va se calmer le Winston là. Ouais, toi je te prends du... Non. Toi je te prends du... Comment ça on a filé? Oh c'est bon. Tu es mort. On n'a pas filé. Ouais, travail d'équipe. C'est bon, on est tranquille. Voilà. D'accord. Bien joué. Besoin de remonter, allez, faut que tu descendes. Avant que quelqu'un s'en aperçoive. Oui bon, avance par contre. Dynamite, ça se refuse pas. C'est bon. Mais tu peux me dire pourquoi t'as fait ça, Nathan? Juste comme ça. On remarque qu'il spawn un petit peu plus vite. Sam, il y a une échelle que je peux pas atteindre. Ok, bouge pas, je te rejoins. Ouais, mais dépêche-toi. Super, merci. Voilà. Ça y est, le voilà. Le dortoir des moines. Encore deux ou trois sauts et on y est. Oh, tu vas nous porter la poisse. Et on descend. Ça bouge un peu. Ah. C'est pas clair dessus. Ok, donc là, hop, faut sauter en face. Oh non! Oh, je crois que je me souviens d'ici, j'ai galéré. Je pourrais faire ça toute la journée. On va toujours vers le futur. Bonjour les tics. Tu vas voir les tics. Ah ouais, non, pas ça.
Fred, il a réussi à la continuer. Soit que l'argent était bien manqué. On avait plus raison de rester avec lui. En général, il a même pas passé. Bien trouvé. Vous êtes sans pitié, les gars. Comme dit Nadine, les affaires. C'est les affaires. Du moment qu'il y a de l'action, je me ferais bien un bon coup d'état, là. Ouais, m'en parle pas. Ah, je sais pourquoi j'y arrivais pas, il était pas avec moi la dernière fois. C'est mon crétin de frère. Ah bonjour. Oh, j'ai entendu un magnum. Bah si. On recommence pas de... non c'est bon, on recommence. Restez à couvert pour récupérer la santé, merci je sais. Une caisse de mine. Ils sont partis par là. Dis-moi si tu trouves quelque chose. Reçu. Vous avez quelque chose là-bas? Ah. Et non. Je vais te dire. Allez. Lui là-haut, c'est le pire. Il a un magnum. Tu peux faire...
Oh la vache. J'étais obligé que quelqu'un entende tout ça. Allez, restons pas là. Ouais, pas bête. On va peut-être pas rester là trop longtemps. C'est par où? C'est par là? Ouais, c'est par là. Ouais, il y a un petit peu de mal aujourd'hui, Nate. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, Sam? Oula! Aïe! Non, pas assez d'élan. De quoi elle n'a pas entendu? Bah ouais, puis on peut pas monter ici. Ouais, non, ça glisse. On peut pas monter. Ah oh, ouais, si, je me souviens de ce qu'il faut faire. Hop, faut descendre. Voilà, c'est bon, on en parle plus. T'es sûr ou quoi? J'ai dit on en parle plus. Quand je dis on en parle plus, c'était mort. Allez, faut pas traîner. Non, je préfère quand même garder les semi-auto, c'est mieux. On a un secondaire parce que. Il me fait quoi toi? Hop, merci pour les munitions. Non, c'est pas par là. Houston, c'est par là. Regarde. Ensuite, faut aller sur ce pilier là. Il y a un petit peu pour rien qu'on peut s'accrocher. Oh la vache, il va continuer de tout faire péter là-bas. Ensuite, c'est là. Et voilà, on est passé. Donc, ah ouais, c'est là-bas. Ok. Non. Là oui, là je suis d'accord. Il est où Sam? Ok. Quoi encore? Ok, d'accord. Pas de soucis. Parce que c'était la version pas intérêt à me foirer. Parce que. Oh, y a pas besoin de faire tout le trajet là. Ah bah si en fait. Pas besoin de faire tout le trajet. Ok. Bah non, y a pas besoin. Ah, ça doit être pour après en fait. Parce que regardez, là on peut aller directement là. Et là. Mais non, va au bout. Je t'ai demandé de faire demi-tour. Tu peux répéter s'il te plaît, j'ai pas entendu. En tant que dalle. Donc. Ouais, voilà, c'était bien pour après ce que je disais. Oula, c'est un petit bug ça. Ça on dirait du sel la neige. Alors. Ok. Donc. Là, ensuite on va là. Et puis on continue notre route. Et voilà le travail. Ouais, tu viens crétin là. Allez viens. Ce serait bien qu'on arrête un peu les glissades. J'ai des graviers plein de slip. J'ai des graviers plein de chaussettes. Ouais, là je crois que j'ai fait une petite bêtise. Donc, ok, alors faut aller où? Ah ouais, si c'est bon, j'ai calé où faut aller.
Je les calme. Oh, je crois qu'ils sont encore des ennemis aussi. Non. Voilà. Et puis bah voilà. Oh, ok, d'accord, c'est bon. J'ai compris. Parce que là, je me souviens plus du tout de cette partie là en fait. Quoi? Pas assez d'élan? C'est une blague. Non. Non, je crois qu'il y avait un truc qui clignotait, mais non, c'était une illusion d'optique. Mais... C'est bien ça qu'il faut faire pourtant, non? Attendez. C'est pas pour rien. Bah ouais, voilà. C'est ce que je dis. Tu me donnes un coup de main? Ouais, dépêche au passage, ça m'arrangerait. Puis il marche. Allez. C'est bon, vas-y. Okay, allez. Ok. Donc faut aller au cimetière. Prétendue dernière demeure d'Henri Avril. Vous avez trouvé une entrée de journal. Faut qu'on trouve cette tombe. Nir. Les dortoirs, d'accord. Et Nathan, viens voir ça. Tu as une paire de sabres d'abordage. Une paire de sabres d'abordage, pardon. Mais les dates concordent pas. Bon, une de moins. Encore un sacré paquet à vérifier. Mais non, il n'y a pas un sacré paquet. C'est là l'avantage d'avoir déjà fait le jeu. Et les dates 1659-1699. On trouve une tombe. Ça aurait pu être celle-là là-haut, mais non. Et on est bon. C'est celle qui est là. Ok, les épées correspondent. Et l'année aussi. Sam, viens voir. Tu l'as trouvé? Regarde. Benjamin Bridgman. C'est le pseudonyme d'Avril. Il y a un truc qui cloche avec ce crâne. Comme si c'était un élément rajouté. Ah oui, tu veux que je te dise qui cloche? C'est que c'est pas le saut d'Avril. Ouais, voilà. En fait, ce crâne, il devrait être de profil. Qu'est-ce que c'est? On va y aller. Ok, allez, go. Qu'est-ce qu'on a là? Énorme, ça tombe à lui. C'est une crypte. Une crypte cachée derrière une porte secrète. Ouais, mais la porte secrète a sûrement été ajoutée plus tard. Pour cacher son magot. Bon, croisons les doigts. Regardez, dans une tombe, il y a je sais pas combien de cercueils. Ah, faut le faire là quand même. Regardez-moi ça. Toute la bande est là. Ah ouais, si, je me souviens de ce... je crois me souvenir de cette énigme. Jésus, Bismas à gauche, le voleur pénitent, Guest à sa droite, le mauvais larron. Faut aller derrière. Guestas, Dismas, ok.
Ok. On dirait qu'Avry avait un petit faible pour Saint-Lismas. En fait, Avry se considérait comme un bon voleur, tu vois. Il est pillé à une assassinée, barbare, hein. Et ça suffisait à en faire quelqu'un de bon à l'époque. Ou de moins mauvais. Bon, allez, tu peux m'allumer ça, s'il te plaît, Sam. De quoi nous éclairer. Hey, le clopeur, j'ai besoin de ton briquet ici. Ça me blesse que tu m'appelles comme ça. Que fumer, ça te fait un bien fou. Merci, Mère Teresa. La lumière, toi. La lumière provient de l'autre côté du mur. Voilà, donc maintenant, on va falloir retourner ça. Alors, voyons voir. Voilà. Ensuite, on va faire ça. Je crois que c'est bon pour celle-là. Et ensuite celle-là. Ouais, je sais que j'ai trouvé. Cette vue, mais toujours pas de trésor. Ouais, mais est-ce que tu vois ces croix là? Ouais, mais est-ce que c'est une grotte juste en dessous? Ouais, je crois qu'Avry essaie de nous indiquer la prochaine étape. Mais on va avoir un léger problème. Si on repart par là, on doit retourner vers la cathédrale. Et on retourne là. Bah ouais, ça aurait pas pu être trop facile. Bon, et on ressort. Et je crois qu'on a attendu d'ailleurs en sortant. Je crois, je suis pas sûr. Ouais, je sens que je vais mourir maintenant. Ah, bonjour. C'était pas ton jour à toi. Sam, t'es où, s'il te plaît? Ok, merci, t'es là. Aïe. Dommage. On va dire que c'était bien essayé. Là.
On a failli se faire remarquer. Allez, oui, il revient. Bon, ça, j'ai jamais fait en infiltration, donc je vais essayer de la faire en infiltration. Ça me rassurait de savoir où est Sam pour savoir si je peux tenter des trucs qui est juste à côté de moi. Lui là-haut il est marqué. C'est la tente. Vite, 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 vite. Non, non, cache. Perdez-nous de vue, s'il vous plaît. Perdez-nous de vue. Il y en a pas en bas par là, des fois. Ah, c'est pas vrai. Je peux pas en faire une en un filtre. Attention, c'est pas possible. Aïe, au beau toi mon pote. Savoure bien cette balle. Elle était gratis. What? D'accord. Ouais, c'est bon, c'est moi. Ah si, en fait, j'ai moyen de la faire en infiltration. Qu'est-ce qu'on dit, t'es déjà marqué. Lui là-haut, il n'était pas marqué. Oui, oui, viens vers nous, mon ami. Allez. Sam, where are you? Une hallucination. Allez, au revoir. Toi avec ton fusil à pompe, tu meurs. Bien cordialement. La direction. Non, mais non, je croyais qu'il était mort. Voilà, c'est ma faute. Faut pas que j'arrête de viser en fait. Tout se régler, hop, voilà. J'ai entendu un truc, non? Toi, je te marque. Toi, tu crèves. Toi, tu redescends. Vas-y, mais re... Ah ouais, non, là, il y avait trop de monde. Ouais, non, trop de monde.
Il y avait beaucoup trop de monde là. Ah oui, non. Là, il n'y pouvait pas. Eh oh, je suis là. Houston, je suis là, je t'ai dit. Voilà, c'est bon. En fait, je l'ai marqué, mais j'ai dit juste après, ça servait à rien. Voilà. Moi, j'ai pas le temps pour l'infiltration, les gars. Je suis désolé, mais... Oh, les gars. Ou les filles, d'ailleurs, c'est... Oh là, oh, oh, oh. Je t'ai vu, toi. La grenade, j'ai entendu. Tu meurs. Ah, t'es mort, t'es moche. Bonjour. Juste comme ça, il est où mon AK? Il est là, ok. Nathan, il n'y a pas de Nathan, c'est... si, en fait, il y a un jeu... Oh, c'est ça, mais il m'a fait peur. Enfin, il m'a fait peur, je croyais que c'était un ennemi. Tu veux pas prendre une meilleure arme, toi, parce que... Tout le plaisir est pour moi. C'est trop un gamin, Nate. Tout le plaisir est pour moi. Moi, je vais bien semer quelqu'un et dire tout le plaisir est pour moi. Je crois que tu fais partie des hommes à terre, hein, mais je suis pas sûr. Ça reste encore à prouver. Ce serait cool qu'il reste que les trois qui sont marqués là. Mais non ! J'ai fait une fois de trop. Toi, t'es mort. Okay, il est mort. Il n'y a plus la marque, donc c'est qui? Ok, ça c'est bien fait. Par contre, il peut pas sauter quand il a les pieds dans le vide. Enfin, ouais, bon, bref, je me suis compris. Allez, viens. Viens, mon chien. Voilà. C'est bon. On en a fini avec les gros vilains méchants là. Ouais, mais bon, on respire encore, c'est le principal. Allons ouvrir ce portail. Voilà, moi je prends du raccourci, j'ai pas le temps. C'est ici, okay, qu'il faut qu'on aille. Mais bien sûr que je suis prêt. Sam, ouais, voilà. Ouais. Ouais, c'est bon, allez, tu peux passer là. Pêche. Go 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 go. Par contre, si je vise, ouais, je préfère prendre. Comment tu te sens? Prendre le cas au cas où. Je sais exactement de quoi tu parles. En plus, il y avait ce truc cool avec la constellation. Ouais, c'était cool.
Je sais pas. Ah si c'est bon, c'est par là. Oh, c'est joli ici. Juste là, sous cette grande croix. C'est là qu'Avril veut qu'on aille. Eh bien, si Avril veut, c'est que dire sous ça. Oh, piège mortel, au centre, pognon, piège mortel, en bas, piège mortel. Non. Pognon. J'aime bien comment on dit ça. Pognon. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce mot, tiens. C'est quoi la situation? Ça va, Sully? On continue à suivre la piste, mais le trésor est plus près de la cathédrale que ce qu'on croyait. Ah, d'accord. Alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ben, t'as qu'à laisser tourner les moteurs. On sera de retour dans pas longtemps. No problemo. Tiens-moi au courant. Ça marche. Ok. Oh non, pas encore du combat. Patrouille droit devant. Ouais, je les entends. Ça devient très agité par ici. Tu devrais apprécier les temps calmes plus que n'importe qui d'autre. Faudrait mieux éviter qu'on nous attribue un nouveau corps, Maurice B. Et si tu parlais de ce que tu connais, hein? Ça tombe bien, j'ai besoin de munitions. On a un de nos hommes à terre par ici! Ils doivent pas être loin! Affirmatif, mon général! On n'est pas loin! Voilà! Au suivant! J'ai comme l'impression qu'on peut pas échapper à ces types. Ouais, et plus on approchera de la cathédrale, plus ils seront nombreux. Pour mon général, je suis postilité générale en tout cas, mais. Ouh! Je crois m'en souvenir d'ici. Il y avait un trésor. Ouais. Ils avaient ramassé un trésor. Oui, bah je sais. Trouver des trésors, des pages de journal et des conversations optionnelles. Oui, cool. Voilà. Viens, je vais te faire monter. Ok. Et tu m'aides à monter ou je crois qu'il va balancer une caisse. Tu peux balancer une caisse s'il te plaît? Ok, d'accord. Ah ouais, c'est pas bête. Oui, c'est bon, je sais. Est-ce que tu crois que c'est les moines qui ont construit ça? Impossible. C'est un genre de système de poulie. Genre, pour soulever un gros trésor? Soulever quelque chose. J'ai pu passer à côté. Bah, faut croire qu'on était destiné à le découvrir ensemble. Oh, c'est romantique. Oula, je sais pas si c'est par là qu'il faut aller, mais... Ouais, si ça... Parce que j'ai peut-être déjà dit, mais ça fait un petit bout de temps que je l'ai fait. Donc, oui, si, je m'en souviens. J'aurais pas dit mieux. Forcément, je peux aller du bon côté. Bonjour, bonjour, merci, allez. J'espère que ça va tenir. Ah oui, regardez, c'est ça que je vous parlais dans un autre Uncharted. On peut tirer quand on est sur les cordes. Que je trouvais stylé. Regardez, de fusiller comme ça. Je sais plus où est-ce qu'il faut aller, je crois que c'est... Pourquoi pas? Eh oh! Me balance pas de... Je suis là, en bas! C'est la... La falaise, là! C'est la CD! Oh la vache! Vraiment le chic pour courir une grande miette, quoi! Surtout les falaises!
Ouais, m'en parle pas. Allez, on y va. Ça, je me dépêche, ouais, parce que ça a craqué. Il n'y a pas moyen que je veux balancer mon grappin. Je peux pas te rejoindre d'ici. Regardez, il y a une croix là-bas. Ouais, c'est bon. T'en fais pas. Au pire, tu perdras un ou deux doigts. Bon, tu m'aides, Ouyou. Et voilà. Comment tu t'en sortirais sans moi? Sûrement à la maison. À boire du chocolat chaud. T'as quel âge? 5 ans? Oh, me dis pas que tu ne boirais pas un bon chocolat chaud, là. Ouais, bon, c'est sûr. Exactement. Cassé par là-bas. Et ben voilà. Oula. J'étais en train de me craquer les doigts, donc j'ai oublié de sauter. Oh non, pas encore une scène comme ça. S'il vous plaît, non. Putain. Oh. C'est la scène parfaite, regardez. Je vais vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure. Attendez, faut juste que je récupère un peu ma vie. Ok, d'accord. Donc là, je m'y suis mal pris. What? Oh non, j'ai confondu. En fait, j'ai confondu les touches avec Uncharted 3, 1, 2, 3 en fait, et j'ai balancé la... Au lieu de recharger, j'ai balancé une dynamite. Un bâton de dynamite. J'arrive, frérot. On tourne pas Nathan Drake, ok? Mais non! Attendez, j'ai essayé un truc stylé. Bah non. Pas eu... En fait, j'ai pas eu assez d'élan. Ok, c'est pas grave. Si c'est grave, parce que je reviens ici. Yeah.
Oula. Oula. Nate, il fait un petit peu nimp. Attendez. Est-ce qu'il y en a de caché en fait? Ok, d'accord. Et ben, on va arrêter l'épisode là parce que ça va faire un petit peu long. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu malgré le fail de fin. Moi, je vous dis à plus pour la suite d'Uncharted. On se retrouve exactement au même endroit. Allez, à plus. Ciao, ciao.